Trying to work to Conte. Here's Payet. Dimitri Payet! Sensational. Absolutely sensational. Salvation for France. 23 minutes. My word, into the second. Bon, c'est un résultat positif, donc on va retenir que le résultat, parce qu'au niveau de la prestation, c'était assez médiocre. Il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau. On attendait depuis très longtemps Paul Pogba à notre niveau. Je pense qu'il faudrait que peut-être le sélectionneur repense à le situer au niveau défensif en sentinelle, parce que ce sera un joueur comme Patrick Vieira à l'avenir. Donc on veut le faire jouer plus haut, mais je pense que c'est de le faire jouer plus haut, c'est pas bon pour lui, pour l'équipe de France. À l'avenir, ce sera plutôt un joueur comme Pirlo, avec la première relance, on aura besoin d'un mec comme Pogba. Et après, on a une grande satisfaction qui est Payet, mais vu le désert technique qu'il y avait dans ce match, c'est compréhensible que Payet ressorte. Après, je suis vraiment, vraiment très déçu de la performance de l'équipe de France quand même. Je ne les vois pas aller très loin. Quand on va rencontrer une équipe de calibre comme l'Allemagne ou l'Espagne ou l'Italie ou des grandes nations du football, même les Anglais, je pense que la France va devant une désillusion. Mais c'est même pas avant ce premier match. C'est dans les matchs amicaux, on sentait qu'il y avait une confiance, entre guillemets, pour les matchs amicaux, et dans les matchs de compétition, les matchs à couperet avant la Coupe du Monde avec Deschamps, où on s'est qualifié quand même au barrage face à l'Ukraine, c'était des matchs compliqués. Donc moi j'oublie pas qu'un groupe ça se construit sur la durée, et là on a, à la fin de l'année, on a essayé de reconstruire un groupe sans vraie cohérence. Et quand on a des joueurs de talent, on nous avait dit que les joueurs, je reviens encore sur Ben Arfa, qui ont un talent qui est certain, mais qu'on ne les prenne pas dans une équipe comme l'équipe de France, moi déjà je suis très déçu, et je pense qu'on aura besoin justement de joueurs de talent à l'avenir, et Payet il sera un peu trop isolé pour aller plus loin. Ben, un bilan mitigé, la satisfaction d'avoir vu un match qu'on a gagné et qui était mal embarqué face à une équipe qui était difficile à manœuvrer. Et puis, petite frustration de constater que les joueurs cadres qui étaient censés porter le groupe, qui en tout cas qui sont les leaders, notamment Griezmann et Pogba, qui étaient un temps au-dessous. Mais bon, ben, ravi quand même de voir que la solution a été trouvée un peu au dernier moment, mais enfin, mieux vaut tard que jamais. Et on a vu qu'il y a d'autres clubs qui ont été un peu en difficulté, d'autres équipes, ça a été un peu plus compliqué. Après, en termes de souffrance, un petit aparté en tant que supporter de l'OM, on connaît la souffrance en ce moment. Petite satisfaction de voir qu'un ex-Marseillais a redressé la barre nationale. Et petit message au passage pour voir qu'un joueur de ce calibre-là a vendu 15 millions d'euros l'an dernier à West Ham. Bravo le projet Dortmund, c'est plutôt le projet Aflelou, Chin-Chin, je ne sais pas, 2 euros, 3 joueurs, je ne sais pas. Enfin, bref, quoi qu'il en soit, au moins qu'on a heureusement de l'équipe de France pour voir qu'on peut gagner. Je suis convaincu que c'est mieux d'avoir gagné comme ça que 3 ou 4-0, où est-ce que ce sera enflammé, nous les premiers, et dire voilà, ils sont favoris. Il n'y a manifestement pas de favoris, de gros favoris pour 7 euros, il y a quand même des gros outsiders dont la France fait partie. Ouais, c'est bien, il y a une vraie équipe qui est peut-être en train d'émerger. Justement, une équipe, c'est aussi quand les joueurs qui sont un peu en retrait, ce qui a été le cas en termes de médiatisation, prennent le relais quand les meilleurs sont pas au top. Et potentiellement, quand on a des joueurs de classe mondiale comme Pogba et Griezmann, s'ils évoluent à leur meilleur niveau, on peut imaginer que là, l'équipe va encore être un tour au-dessus. Mais franchement, bravo aux Roumains aussi, parce qu'ils se sont pas contentés de défendre, ils ont été pas mal, ils ont eu de sacrées occasions. Loris, pour le coup, a un peu sauvé la baraque, parce que si on avait été menés 1-0, je pense que c'était une autre limonade, ça aurait été plus compliqué. Thank you.